بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Nous sommes arrivés à l'époque de Imam Ridha alayhi salam, salawatullah wa salam alayhi, notre huitième imam. L'imam qui a eu une situation totalement différente de l'époque des autres imams. L'époque de l'imam Ridha, ce n'est pas comparable avec l'époque des autres imams précédentes. C'est particulier, très particulier l'époque de l'imam Ridha. Le calife de son époque a pris une autre méthode, une autre manière, une autre politique, complètement différente que des califes précédents abbassides. Et donc, à l'époque de l'imam Ridha, on parle de premier calife, Al-Ma'moun al-Abbasi, qui, bien sûr, Imam Ridha, il a vécu aussi l'époque de Harun al-Rashid, mais à l'époque de Ma'moun al-Abbasi, les choses ont changé totalement. On parle de l'époque d'Imam Ridha, on dit surtout dans l'époque de Ma'moun, les changements, les bouleversements pour la situation des chiites était totalement claire, tellement claire que même dans le monde non chiite, aujourd'hui on parle de cette époque d'une autre façon. On analyse cette époque d'une autre manière. Par exemple, quand vous étudiez l'histoire de la traduction, ça veut dire toutes sortes de traductions de livres et d'œuvres philosophiques, éthiques, sur la médecine ou autres, surtout c'était à cette époque. Oui, ça existait un petit peu à l'époque de Bani Umayya également, peut-être on aura l'occasion de voir rapidement, mais surtout à l'époque de Bani al-Abbas et surtout à l'époque de Ma'moun, à partir de cette époque, il y a eu beaucoup de traductions des livres, des œuvres grecques, perses et même autres qui a changé énormément la vision. Et il y a eu énormément de discussions sur les questions, sur les notions éthiques, philosophiques et autres. Cette époque, c'était l'époque de Imam Ridha alayhi salam. Bien sûr, Ma'moun, il avait beaucoup de passion pour ce genre de livres et de savoirs et de connaissances. Et le Ma'moun, de son côté aussi, à part ça, Ma'moun, il était en train d'essayer de rendre un petit peu à l'accès de tout le monde les divergences, les discussions, les monadarat. En fait, il réunissait les savants. Et il y avait des discussions entre eux, il y avait des débats, des grands débats religieux ou autres, surtout religieux sur la théologie. Surtout à l'époque, lui, il s'intéressait à cette question. À cette époque, le Ma'moun, il avait décidé tout d'abord, au début, de donner l'imam à Imam Ridha alayhi salam. Est-ce que cette décision est sincère ou pas? De notre point de vue, quand on étudie l'histoire de Ma'moun, pour nous, c'est sûr que ce n'était pas sincère. Il ne voulait absolument pas que l'imam Ridha devienne vraiment l'imam de tout le monde et lui, il suit l'imam Ridha. Ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas cette intention. Mais ce qui est aussi plus ou moins sûr, c'est que Ma'moun, il avait une vision particulière. Par exemple, il avait des idées mu'tazilites, il avait des idées proches de Ahlul Bayt, donc c'était une réalité, et il voulait baisser les tensions entre les abbassides et les chiites. Il voulait absolument baisser cette tension. Il pensait que, avec cette méthode appliquée par les premiers califes abbassides jusqu'à son père Haroun, ça ne va pas continuer pour longtemps, ça ne va pas durer pour longtemps. Les choses vont changer, donc il a changé lui-même la méthode. Donc, à l'époque de Imam Ridha, comme vous le savez, à la fin, il a accepté d'être Wali al-Ahd. Est-ce qu'on peut dire successeur
ou d'autres termes, c'est plus exact. En tout cas, Wali al-Ahd, ça veut dire celui qui succède la personne, le successeur. Si jamais la personne, ça lui arrive quelque chose, il quitte ce bas monde, le successeur, il prend sa place. L'imam, alayhi salam, il avait accepté cette responsabilité après avoir subi beaucoup de pression de la part de Ma'moun. Il était obligé de l'accepter, mais la sagesse de l'imam a fait que l'imam, il a accepté en disant, j'accepte, mais avec condition de ne pas réagir ou appliquer la politique ou prendre aucune responsabilité gouvernementale. Aucune responsabilité. Ça veut dire juste le titre, je l'accepte, mais pas plus que ça. وفي ظل ولاية العهد التي قبلها الإمام. Donc, à cette époque, on l'appelle en arabe Wilayat al-Ahd. C'est quoi Wilayat al-Ahd? Ça veut dire, après le Ma'moun, si jamais le Ma'moun il est mort, l'imam normalement devrait être le calife et l'imam. Mais, en tout Adjoint. cas, oui, Adjoint. tout à fait. Ça peut être adjoint, ça peut être vice-calife, etc. Comme vous avez dit. Donc, à cette époque, il faut dire quelque chose. Les chiites, absolument, ils ont eu une période de tranquillité et une période de liberté relative, bien sûr. Pas liberté totale, mais une liberté relative. C'était une époque particulière pour les chiites. Pourquoi? Parce que, de toute façon, quand on met comme successeur Ali ibn Moussa, alayhi salam, c'est normal qu'on ne va pas torturer les chiites devant ses yeux. C'est normal qu'on ne va pas attaquer tous les chiites dans le monde entier. Et aussi, il faut, après, ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça que je ne vais pas partir très loin sur cette question, mais il faut savoir que cette responsabilité accordée de Ma'moun à Imam, alayhi salam, ou on ne peut même pas dire responsabilité, on peut dire ce titre accordé à Imam, c'était dans l'intérêt politique de Ma'moun. Pourquoi? Parce qu'il voulait calmer tous les alawites dans le monde islamique. En disant, mais regardez, j'ai mis comme successeur votre imam par excellence. L'imam le plus important parmi vous. Et ça revient sur le point que je vous ai déjà parlé. Je vous ai dit que si quelqu'un fait des recherches dans les sources islamiques générales, pas particulièrement chiites, il va voir que les imams, ils ont toujours une position où ils brillent dans l'histoire. Parmi, justement, l'époque très, très importante pour les chiites et les imams des chiites, c'est l'époque de Imam al-Rida. Donc ça, c'était un point. Et également, c'était une époque très enrichissante au niveau théologie également. Et les hadiths de l'imam al-Rida, alayhi salam, c'est très, très enrichissant cette époque. Pourquoi? Parce que l'imam al-Rida, il a eu l'occasion d'avoir des débats avec d'autres musulmans et d'avoir des discussions, etc., etc. Des échanges. Que ce soit les Sabéens, les Yahoud ou autres, plusieurs écoles, et même interreligieux, ça veut dire avec les autres religions, mais avec entre les différentes écoles de l'islam, de l'intérieur de l'islam. Donc il y a eu des débats, et c'est pour ça même la question de l'infaillibilité des prophètes. Si vous voulez trouver les hadiths, vous pouvez pas mal trouver pas mal de hadiths de cette époque. Même si je me rappelle bien, j'avais lu, peut-être c'était dans l'œuvre de Sayyidina Amatullah al-Jazari, si je me rappelle bien, parce que ça fait quelques années quand même, ça fait peut-être une dizaine d'années ou un peu plus. À l'époque, j'avais vu le hadith qu'il avait mis Sayyidina Amatullah al-Jazari, c'était les questions s'étaient posées par Al-Ma'moun directement. Les questions théologiques posées par Al-Ma'moun à l'imam Rida alayhi salam. Et il y avait des échanges comme ça, vous pouvez trouver des échanges de ce genre d'échanges. Cette époque n'a pas, bien sûr, n'a pas duré très longtemps parce que finalement, Ma'moun n'a pas pu supporter la place qu'il a obtenue, l'imam Rida, parce que vous savez, l'imam, même si tu ne lui donnes pas une place dans la société, c'est une lumière, après c'est de notre point de vue, c'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala,
l'imam alayhi salam, c'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il va briller de toute façon et il va prendre sa place dans le cœur des mu'minis, des fidèles. Par contre, à l'époque de Ma'moun, le Ma'moun, il avait donné aussi matériellement, on peut dire, une position à l'imam al-Rida et une tranquillité aux chiites qui a fait que les chiites, ils ont commencé à vraiment s'attacher à l'imam et l'imam, il a pris une position sociale extraordinaire. Que l'histoire de Salat al-Aïd que le Ma'moun avait proposé à l'imam al-Rida d'effectuer ou de diriger la prière de Aïd, et puis après, il a envoyé des messagers en disant « Tu reviens, c'est pas la peine de faire cette Salat » ou de diriger Salat al-Aïd. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment les milliers de personnes, à tous, ils ont commencé à courir après l'imam al-Rida. L'imam al-Rida, il est sorti d'une manière très particulière, à la façon de Rasulullah. Les gens, ils ont vu quelque chose de différent. Ce n'était pas du tout comparable avec les autres califes précédents. Salat al-Aïd, c'était une autre façon. C'était la spiritualité absolue qui se présentait, qui s'est manifestée par l'imam al-Rida à l'époque. Donc, ça a fait très peur aux Abbasides et ils l'ont retourné. L'imam al-Rida, il n'a pas pu rédiger la prière. Après cette époque, on parle de l'époque de l'imam al-Jawad, alayhi salam. L'imam al-Rida, il a été empoisonné, martyr. Et juste après l'imam al-Jawad, il était très jeune encore, très très jeune. Il est devenu l'imam. L'imam al-Jawad né 195, ça veut dire l'an Égir 195, ça veut dire la fin du deuxième siècle, Égir, et martyr 220. Très jeune, il est tombé martyr, empoisonné par sa femme Umm al-Fadl, qui était la fille de Ma'moun al-Abbas. L'imam al-Jawad, il a vécu aussi à l'époque de deux califes abbassides, al-Ma'moun et al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim aussi, il a eu la même politique. Al-Ma'moun, il avait la même politique, la même méthode. Il a continué dans la société. Il ne s'est pas mis contre les chiites, clairement. Donc, bien sûr, il avait sa façon de faire, mais... au niveau d'apparence, il a continué à avoir la même méthode. Il a donné justement sa fille à Imam al-Rida. Et l'histoire de Imam al-Rida, quand les Abbasides, ils n'ont pas apprécié cette décision de Ma'moun, ils ont contesté. Et Ma'moun, il leur a dit, vous pouvez le tester, c'est un imam par excellence, c'est un savant incomparable avec vous. Personne parmi vous, il peut être comparé avec lui au niveau de savoir et connaissance. Donc, l'histoire est connue qu'un des grands personnages de l'époque de Ma'moun, il a posé, grand savant de l'époque, il a posé des questions de la jurisprudence à Imam al-Rida pour coincer l'imam, pour diminuer la place de l'imam, parce que c'est, soi-disant la question était difficile. Après, l'imam, avec une autre question sur la même question, il lui a fait comprendre que ta question, ce n'était pas bien détaillé, parce qu'il lui a dit, si quelqu'un il tue un animal bel haram, ça veut dire au proche de la Kaaba, c'est quoi le hukum, c'est quoi l'ordre divin? L'imam, il a commencé à poser des questions. Il a dit, il l'a fait en dehors de tel endroit ou à l'intérieur? Il l'a fait en sachant ou en étant ignorant? Il l'a fait, etc., etc. Plein de branches de questions qu'il a ouvert l'imam, et l'autre, il était totalement détruit et son image totalement démontré l'imam l'ignorance de la personne qui posait la question. Sur cette histoire, en tout cas, il y a des narrations, il y a des détails proposés. Si jamais on aura l'occasion, peut-être on aura la possibilité de développer. En tout cas, l'imam al-Jawad alayhi salam, tué par Umm al-Fadl, sa femme, propre femme. Et ça, c'est parmi les choses particulières à Imam al-Jawad et Imam al-Hassan alayhi salam. Les deux, ils ont été empoisonnés par leur femme. Et c'est très difficile pour un fidèle, un mu'min, un imam alayhi salam, qui vit avec son ennemi finalement. Ça veut dire son ennemi vit avec lui dans la même demeure ou maison. Mais alors, Moulina,
Oui, si vous me permettez, vers la fin, vous notez les questions, mille merci, vers la fin, parce que après, au niveau de l'ordre, Inch'Allah, si vous me permettez, je termine, après je vous écoute pour les questions, avec plaisir. Si ça ne vous dérange pas, juste vous notez les questions pour ne pas oublier. Donc, après cette époque, Al-Mu'tasim Al-Wathiq est l'époque de l'imam, après l'imam Al-Jawad, l'imam Al-Hadi, alayhi salam. Il dit, de toute façon, ça aussi, j'aimerais bien rajouter que le Mu'tasim, il ne voulait pas permettre aux chiites de suivre le cercueil de l'imam al-Jawad, alayhi salam. Il voulait qu'il soit enterré dans la solitude et c'est tout. Ça veut dire un peu avec beaucoup de silence et sans propagation, sans réunion des chiites, etc. Mais il n'a pas réussi parce que les chiites, à l'époque, ils avaient un certain pouvoir et ils sont venus en montrant à Al-Mu'tasim que si tu ne le laisses pas, on va se mettre avec l'épée contre toi, etc. Donc il a laissé finalement de l'enterrement de Imam al-Jawad, alayhi salam, se faire. Al-Wathiq Billah, c'est après le Mu'tasim, il a tenu le pouvoir. Et Al-Wathiq, bien sûr, il est mort le 232. En tout cas, les califes abbassides, vous pouvez trouver, comme je vous ai dit, des tableaux qui détaillent l'an de leur califat, et la date de leur califat, et la fin, etc. Tous ces détails, ça existe. Mais il a suivi toujours la même méthode, si vous voulez, que son père et son grand-père, Al-Ma'mun, avec les chiites. Sur Al-Wathiq, après, j'aimerais bien chercher plus, mais juste rapidement, sur Al-Wathiq, il y a une phrase que je vais traduire directement de cet écrivain. Il dit, التعامل وقد أشارت بعض الوثائق إلى حسن سيرة الواثق مع الناس عامة. Il dit, on a des traces historiques qui disent que الواثق, il avait des comportements positifs plus ou moins avec les musulmans et même les chiites en particulier. Ça veut dire, c'est parmi les califes abbassides qu'il a encore plus été ouvert avec les chiites. Et qu'il était proche de l'idéologie mu'tazilite. Et ça aussi, je vous invite à vraiment réfléchir ou faire des recherches sur cette question. Pourquoi, à chaque fois qu'on voit des tolérances, pas à chaque fois, mais au niveau de, si on fait pourcentage, on peut dire la majorité des califes qu'ils avaient tolérance idéologique, ils avaient finalement beaucoup de tolérance pratique au niveau politique. Et ça, c'est une question très importante et ça me paraît évident de toute façon, parce que quand on regarde celui qui a été Mu'tazilite, finalement, il était beaucoup plus flexible que celui qu'il a suivi l'Ash'ariya ou le Fikr l'Ash'ari. Bien sûr, à l'époque de Ma'moun, ça a commencé l'histoire de parole de Dieu. Est-ce que les versets coraniques sont créés ou ils existaient avec Dieu depuis l'existence? Ça veut dire qadim. Quand on parle de terme qadim ou hudouf, ça veut dire créé. Est-ce que les paroles de Dieu, ils étaient créées ou pas? Ça a fait finalement une question politique plutôt que théologique. Ça a commencé comme question théologique, mais finalement, ça a terminé avec des positions politiques, cette question. Ahlul Bayt, de toute façon, ils considèrent que les paroles de Dieu, ça veut dire le Coran, est créé. Ce n'est pas plutôt c'est créé. Plutôt, on ne peut pas dire ces paroles existaient avec la divinité. Depuis la divinité. Déjà, depuis, qu'est-ce que ça veut dire? Cette question, c'est très sensible. On ne peut même pas parler depuis l'existence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas. C'est lui qui l'a créé le depuis, en fait. C'est lui qui a créé le temps pour parler de depuis jusqu'à, etc. Allah kulli hal. Cette question, ça a fait beaucoup de sensibilité, ça a créé beaucoup de sensibilité entre les musulmans de l'époque. L'époque de Al-Mutawakkil, je ne sais pas est-ce qu'aujourd'hui je pourrais terminer. Malheureusement, je vois que c'est un peu difficile. Permettez-moi, je laisse l'époque de Al-Mutawakkil qui est très sensible et qui est totalement différent.
Laissez ça pour la semaine prochaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.